Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à des échanges rationnels de la part des parties impliquées dans la hausse des tensions sur la péninsule coréenne. Il y a eu assez de rhétorique et d'actes provocateurs récemment. Ce que nous avons besoin, c'est d'échanges rationnels et de solutions pacifiques. La Chine ne sera pas influencée par des voies déstabilisantes et n'abandonnera jamais ses responsabilités. La Chine continuera à maintenir le dialogue avec les parties concernées et à jouer un rôle constructif dans la résolution de la question du nucléaire sur la péninsule coréenne. Wang Yi a fait ses remarques dimanche durant sa visite en Grèce. Il a rappelé la position constante de la Chine sur la sécurité régionale, laquelle est d'arriver à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les déclarations de Wang Yi arrivent alors que les échanges hostiles entre la RDC, la Corée du Sud et les États-Unis se sont intensifiés ces dernières semaines.